Alors, deuxième nouvelle fonctionnalité qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la fonctionnalité en fait de colorimétrie. Alors, quand je parle de colorimétrie, je fais beaucoup plus allusion aux monteurs de vidéos qui ont l'habitude de faire des corrections de couleurs à leur vidéo après le montage, mais presque un peu avant la finition de la vidéo. Alors, qu'on va ajouter une nouvelle fonctionnalité à son outil d'édition de vidéo qui vous permet d'ajuster également les couleurs, donner toutes sortes vraiment d'effets, voilà, d'augmenter la température pour avoir en fait une vidéo un tout petit peu chaude ou un tout petit peu froide, avoir des vidéos avec vignettes, mais vraiment toutes sortes de corrections de couleurs que vous pouvez appliquer en fait sur des logiciels professionnels de montage vidéo. Donc on va voir ça tout de suite. Donc depuis l'interface d'édition de vidéo de Canva ici, vous allez cliquer pour sélectionner la vidéo en question, comme nous l'avions fait dans le premier cas, la vidéo ici est en arrière-plan, donc elle est automatiquement sélectionnée. On va donc ensuite cliquer sur le bouton modifier la vidéo et dans les paramètres ici, vous avez vu tout à l'heure, on avait ajusté également qui est en version bêta. Quand vous entrez en fait dans la colonne des ajustements, paramètres d'ajustement de couleur de la vidéo, vous verrez en fait pas mal de catégories de paramètres ici. Donc vous avez les catégories balance des blancs, donc pour modifier la chaleur, ajouter une tint. Vous avez la catégorie des lumières pour agir sur la luminosité, le contraste, les tons, l'ombre, fondu, etc. Vous avez également la catégorie des couleurs qui vous permet de modifier la brillance, la saturation, les traitements croisés. Et vous avez également la toute dernière catégorie qui est vraiment destinée à la vignette, pour ne pas dire l'effet vignette. Donc je vais revenir ici, on va essayer de toucher à chacun de ces paramètres pour voir vraiment l'effet que cela pourrait avoir en fait sur notre vidéo ici. Donc observez très bien la couleur ici, observez les modifications que je suis en train de faire et vous verrez vraiment que ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Alors sur le paramètre chaleur, on va augmenter un tout petit peu. Vous allez constater que plus j'augmente, plus la vidéo en fait change un peu de température. On sent que bon voilà, on est en train d'aller vers un environnement un tout petit peu plus chaud. Et quand je reviens tout ici, vous voyez que ça fait beaucoup plus froid. C'est comme si c'est une vidéo réalisée tôt le matin. Et là, c'est vraiment le but en fait de ce paramètre. C'est vraiment de donner un tout petit peu plus de chaleur ou de diminuer la chaleur en fait dans l'environnement de la vidéo pour voilà, jouer sur l'émotion et les nuances en fait de température. À côté de ça, nous avons la teinte. La teinte, vous voyez, c'est juste une façon vraiment de mettre un peu plus de couleur dans la vidéo. Si vous voulez que votre vidéo soit un peu plus verte, vous glissez en fait, votre petit point ici vers la couleur verte. Ensuite, le rouge, le jaune. Vous voyez, là, on passe les différentes teintes en fait, de couleur. Vous voyez juste quand la couleur, je vais dire rose, tout à la fin de la barre. Ensuite, dans la catégorie lumière, vous pouvez augmenter la luminosité, c'est clair. Vous savez ce que fait la luminosité, augmenter le contraste. Et là, ça permet vraiment de ressortir les couleurs noires, ressortir vraiment les couleurs de la peau que l'environnement a peut-être caché. Là, c'est un peu plus trop, on va rapidement revenir un tout petit peu. Voilà, mettre un truc de 5. Donc, ça va également dans les deux cas, soit vous agissez en fait sur les points de là-bas ici, soit en fait vous entrez les valeurs exactes que vous voulez. Donc nous, on veut une valeur exacte, 5 c'est bon pour nous. Ton clair, on va augmenter un tout petit peu l'ombre. Ça permet vraiment de rendre un peu plus sombre les zones d'ombre en fait sur la vidéo ou en fait les rendre un peu plus claires. Ça va dans les deux sens. C'est l'outil qui identifie les zones d'ombre en fait sur la vidéo et essaie soit d'augmenter ou soit de diminuer. Ensuite, nous avons le fondu, lui, permet vraiment d'avoir une vidéo plus fluide pour que en fait, ça ne pique pas trop à l'œil. Ensuite, vous avez les couleurs, brillance, saturation. Et le dernier paramètre que je souhaite vraiment vous faire découvrir, c'est le paramètre en fait des vignettes. Vous voyez que là, tout de suite, on constate une forme de noir dans les quatre coins en fait, de la vidéo. Donc, ça essaie vraiment de faire au petit cercle et bien du
voir à côté pour faire l'effet vignette en question.